à ce propos le quartier chrétien, le jour de vendredi, est occupé. La porte est de Damas. Sainte, quand il était descendu dans un panier, il est descendu de ce point-ci pour quitter la ville de Damas et aller vers le nord de la Syrie. Donc, les chrétiens de Damas, en 1920, derrière cette porte, ont fait une nouvelle église qui s'appelle maintenant l'église de Saint-Paul. À notre gauche, vous voyez une des nouvelles mosquées dans le... يرحم الصغير ويوقظ الكبير ويبغض الملاهي والبهو ويحب النظر والتدبر والتفكر فعلي ايها الاخوه ان تتوسل
colonnade, des arcs avec des frontons suivis. Donc ça. بدل ما تقول له عيد استنى ساعة عم عيد عم يصلوا هذا ما كان بدل ما تقول له عيد هو ابن بشر ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب بارك لي في عيالي وصحتي ومالي appartements, on commence à faire de nouveaux immeubles et les appartements ne sont pas très grands. Même avant les 2000 ans, tout au début du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est le seul hôtel de toute la série des grands mondes qui est semi-circulaire et qui est chrétien. Et on l'avait creusé en bas pour, quand on avait fait les fouilles, on est avec un rebord vertical un peu de 3 cm. Et au-dessus, il y a cette coupole en bois. Dans laquelle sont représentés le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, pour dire que quand nous faisons la prière, nous ne faisons pas la prière tout seul, mais le ciel, les étoiles, le soleil et la lune y participent. Thank you.
un peu plus de vivre pour qu'il profite de l'eau du sein. Et il y avait beaucoup de débrouillards. C'est statué quand il était mort, il avait 32 ans. Et tout d'abord, les forêts, ils mangeaient les feuillages des arbres. D'autres moines vivaient dans les monastères. Ils passaient toute la nuit tout en répétant le nom de Dieu. C'est-à-dire à partir de 6 heures le soir jusqu'à minuit, ils répétaient le nom de Dieu. Puis il y avait un deuxième groupe qui répétait le nom de Dieu à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et en fin de compte, il y avait des moines qui ont vécu sur des colonnes comme Saint-Simon. D'un seul bloc de pierre, c'est-à-dire par pur hasard, à côté de cette église, ici dans cet endroit, il y avait un énorme bloc de pierre. On avait creusé dedans, on avait fait ses niches, on avait laissé le sol, et puis on avait creusé sous le sol.
Moi, j'ai pas envie de... Cette mosquée a été dévastée et a été reconstruite une deuxième fois au temps de Nur ed-Din Zinki et la dynastie des Zinkides. La dynastie des Zinkides. Tout le monde ne sont pas allés à la mosquée, ils viennent ici à la mosquée seulement pour faire les prières. Avec les lettres arabes. Les deux mélanges, c'est en moitié-moitié. 50% d'huile d'olive, 50% d'huile de laurier. Yeah.
endroit. C'est piqué le knock-out. C'est piqué les fesses. Ah, alors qu'il y a des endroits. Oui. Ah, oui. Ah, c'est ça, ce petit son. Il y a de l'air. Cette église s'appelait... Oui, c'est devant nous. Et c'est ce qui s'appelait, donc, à cette époque-là, le Béma. C'est-à-dire, c'est tout autour de cette époque-là que le Béma les aidait à s'asseoir. C'est le fond des affaires de la religion. Et au fond, il y avait trois fenêtres. En haut, comme vous voyez, il y a deux fenêtres. La première bouchée, la deuxième ouverte. Entre les deux, il y a une croix. Là, on voit. L'Euphrate à 2800 km. Il vient de la Turquie, les sources de l'Euphrate se trouvent à la Turquie. Vue de l'hôtel Chen, la ville de Hama.
انت الاكل بالهداوة plus. Et là, je n'ai plus rien affiché. Et t'as plus de batterie, peut-être. Vers le sud ici, et vous voyez, ils avaient creusé cette niche dedans, cette chair dedans. Et maintenant, ces Palmyréniens, à cette époque-là, voulaient se distinguer des Romains. Et comme vous le savez, pour les Romains, avec des rosaces, des caissons, et même quelquefois, il y avait des losanges. Et au milieu, il y avait une coupole énorme, dans laquelle il y avait sept bustes qui représentaient les sept divinités à cette époque-là. Donc, au milieu de laquelle il y avait un seul buste qui représentait le dieu Jupiter ou le dieu Zeus ou bien le dieu Baal, le premier dieu palmyrénien. Mais quand nous disons qu'il y avait une coupole dans le plafond, ceci vient debout, c'est donc ce qui représentait un des dieux Yarabol ou Aglibol. Ce qui veut dire que s'il y avait ici un homme qui se tenait debout, de l'autre côté, il y avait un deuxième homme qui se tenait debout. Ici, la même chose, un hôtel avec les mêmes fruits, et le symbole de palmyre, le dattier palmier de palmyre. Et là-bas, il y avait un deuxième monde qui représentait le dieu du soleil, donc le dieu de la lune et le dieu du soleil. Ça, c'est une fresque. Deux bonhommes. Une tête là-dessus. Regardez la tête. Ouais, ça, c'est beau. Puis il y avait un palmier. Ah oui. C'est joli. C'est vrai que avec son baldaquin sur son dos.
pour dire qu'ils mettaient la statue de Dieu Baal dedans. Et on faisait la procession autour de la cella. Et devant lui, il y a un bœuf dont la laisse tombe librement par terre pour dire qu'on devait le sacrifier. Et derrière le chameau, il y a des femmes voilées. Mais comment se fait-il, comme mai, comme on le dit en italien, comment se fait-il que ces femmes soient voilées de cette façon? Parce que les habitants de Palmyre à cette époque-là, c'est vrai au 2e ou au 1er siècle après Jésus-Christ, au 3e siècle après Jésus-Christ, mais les habitants de Palmyre n'étaient pas devenus encore chrétiens, ils étaient païens. Et ce temple était fait pour un dieu païen qui était le dieu Baal. Donc pourquoi ces femmes étaient-elles voilées? Et les habitants de Palmyre, pas seulement ils ne sont pas chrétiens, mais ni musulmans. Le christianisme était arrivé au 4e siècle, l'islam était arrivé au 7e siècle. Ces femmes étaient voilées de cette façon parce que personne ne devait les voir, sauf le dieu Baal. Donc elles étaient des prêtresses. De pierre de la cella qui se trouve à l'intérieur, on avait laissé ce qu'ils étaient et on avait trouvé tout dans la cour de cette femme. Sous cet arc, c'était l'entrée des animaux, des vaches, des bœufs, des béliers, des moutons, des gazelles, mais le sanglier n'entrait pas. Donc, et c'était fermé toujours avec les bustes des défunts, les bustes des morts. Par contre, ici, on voit quatre bustes qui représentaient les quatre frères de ces familles, et encore, on voit cinq bustes qui représentaient les cinq femmes de quatre frères. Il y en avait deux. Il s'est marié avec la deuxième. Site de tombeau hypogée. Thank you.
C'est la soie de Damas, c'est-à-dire un maître, ça dépend du maître et du nombre de... Visite de la ville de Bosra. Pas bien, ça sera rempli par exemple 5 mètres, 6 mètres, ça a une profondeur de 8 mètres. Et donc vous voyez le pont de repère qui est à 7 mètres, 8 mètres. Donc quand ça se remplit d'eau, on peut pendant l'été venir pour prendre de l'eau et arroser les champs de Bosra. I'm gonna make it.
L'amphithéâtre de l'extérieur.